оборота нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают, с нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну, так оно и есть, на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему, сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как, вот, как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучиться. Dans l'un des rapports les plus sombres jamais émis par le Conseil de sécurité, SC, les experts du Kremlin d'aujourd'hui mettent en garde le monde entier, que nous sommes tous maintenant, au bord du gouffre, après que le régime Obama s'est dressé, seul, contre le reste de l'humanité. Il a bloqué la résolution des Nations Unies contre l'envoi d'armes dans l'espace, et que, une heure plus tard, il a activé pour la première fois dans l'histoire son « bouclier antimissile » à la frontière de la Russie. Avec le régime Obama rejetant la « dernière chance pour la paix » de l'Organisation des Nations Unies, et activant son bouclier antimissile contre la Fédération, le président Poutine a déclaré « ce n'est pas un système de défense ». Il fait partie potentiel nucléaire stratégique des États-Unis amené sur la périphérie, et, dans ce cas, l'Europe de l'Est est cette périphérie et une autre étape de l'ébranlement de la sécurité internationale. De son côté, le président du comité de défense de la Douma d'État, l'amiral Vladimir Komoïdov, a mis en garde, le régime Obama se déplace vers la ligne de tir, ce ne sont pas à 100% qu'il nous vise, mais c'est à 200, 300, 1000%. L'incitation du régime Obama pour pousser le monde entier au bord de la guerre vient de l'échec catastrophique des États-Unis pour soumettre la République syrienne afin qu'elle puisse être utilisée par l'Arabie saoudite et les États du Golfe pour construire des gazoducs vers l'Europe en vue de l'étranglement financier de la Russie, qui est le plus grand fournisseur de carburant à l'Europe. Alors que le régime Obama perd sa guerre syrienne, tout en étant aidé par les terroristes islamistes les plus radicaux dans le monde, il est parvenu, le 9 septembre, à un accord avec la Fédération pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire à la ville assiégée d'Alep. Mais huit jours plus tard, le 17 septembre, les Américains ont attaqué les troupes gouvernementales syriennes, avec plus d'une heure de bombardement aérien, tuant 62 d'entre eux et en blessant plus de 100 autres, brisant ainsi l'accord de cessez-le-feu conclu avec la Fédération. Ce bombardement était destiné à ouvrir la voie à une grande attaque d'ISIS contre les positions de l'armée syrienne. Après ce meurtre délibéré des soldats gouvernementaux syriens protégeant les citoyens d'Alep, les Américains ont envoyé, le 18 septembre, un de leurs drones attaquer le convoi d'aide humanitaire envoyé à ces gens, tuant et blessant 200 personnes civiles accompagnant le convoi. La riposte russe est arrivée trois jours plus tard. Le 21 septembre, les navires de guerre russes ont tiré trois missiles calibrés sur le bunker des opérations de coordination États-Unis/Israël/État islamique dans la région de Dar ez-Zah dans la partie ouest d'Alep, près de montagne Sa'aman. 30 officiers étrangers, agents du renseignement israélien, américain, etc. y ont été liquidés, voir la vidéo ci-dessous. En ayant à expliquer au Congrès américain l'échec complet du régime Obama en Syrie, le secrétaire à la défense Ash Carter et le général Joseph Dunford, président du Joint Chief of Staff, ont fait face, hier, au comité sénatorial des services armés où ils ont été poussés à immédiatement établir une zone d'exclusion aérienne en Syrie pour que les Américains puissent tuer à volonté.
La réponse du général Dunford a été claire et nette. Il leur a dit à juste titre, en ce moment pour que nous puissions contrôler l'ensemble de l'espace aérien en Syrie, il nous faudrait aller à la guerre contre la Syrie et contre la Russie. Comme suite à cet avertissement du général Dunford, le régime Obama est devenu le seul pays dans le monde à bloquer la résolution de l'ONU empêchant des armes dans l'espace, tout en forçant Israël, la Géorgie et l'Ukraine de s'abstenir, qui ont tous reçu des quantités massives d'armes américaines, puis a activé son bouclier antimissile contre la Fédération et que la Fédération avait déjà mis en garde signifierait une guerre nucléaire. La raison pour laquelle le régime Obama a bloqué cette « dernière chance pour la paix » de l'ONU vient des « avances critiques » des États-Unis dans le domaine des armes spatiales au cours de la dernière année. Rien que l'an dernier, le président Obama, prix Nobel de la paix, a scandaleusement alloué 5 milliards de dollars pour leur développement. Pour savoir combien ces nouvelles armes spatiales d'Obama sont absolument terrifiantes pour la Fédération, il faudrait lire les rapports de nombreux experts, dont voici un échantillon. Dans une guerre du futur proche, 1000 missiles foncent sur la Russie à Mach 20. Chacun d'eux frappera ponctuellement les missiles nucléaires du Kremlin, les radars militaires, les bases sous-marins. En quelques minutes, 80% de l'arsenal nucléaire de la Russie est détruit sans que les États-Unis lancent une seule arme nucléaire. Les réseaux militaires russes sont aveugles, la capacité de la nation à riposter éliminée ou fortement dégradée. Les missiles entrants n'ont pas d'armes ordinaires, mais des véhicules de glissement hypersonique développés en grande partie dans le secret dans le cadre du programme de Prompt Global Strike US. Ils se déplacent si vite qu'il est impossible de les abattre. Vice.com. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a condamné la création, par le régime Obama, de son système de défense antimissile et le développement du Prompt Global Strike, PGS, dans l'espace. Il a en outre averti les Américains, « Nous sommes très préoccupés quant à la perspective de passer à une course aux armements dans le domaine de l'espace et nous insistons sur la nécessité d'un document juridiquement contraignant, qui interdirait le déploiement de systèmes d'armes de choc dans l'espace extra-atmosphérique, mais qui, hier, a été rejeté par le président Obama. » Avec le président Poutine qui a correctement déclaré que la Fédération pourrait « détruire l'Amérique en une demi-heure ou moins », ce rapport conclut « le peuple américain est délibérément tenu dans l'ignorance de la guerre totale que régime Obama, soutenu par la propagande médiatique, prépare ». Des experts américains, tels que l'ancien responsable de l'administration Reagan, Paul Craig Robert, ont récemment averti que les États-Unis sont « une nation morte qui marche » et le professeur Julian Zelizer, de Princeton, qui avertit cette semaine que « quelque chose de choquant » est réglé pour la course présidentielle et que « nous devrions tous nous accrocher à nos sièges » en prévision d'une surprise en octobre, qui pourrait prendre la forme d'une crise pour la sécurité nationale, et qui serait certainement une guerre mondiale. Source, World on Brink after Obama activate missile shield, prepare weapon for space. La cause du peuple. Merci à vous de me suivre et si la vidéo vous a plu vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou dans le cas contraire vous pouvez laisser un pouce vers le bas. À bientôt les amis.